Découvrons les buzzers de nos candidats. Isabelle, Bernard, Kéra, Pascal, buzzer ouvert. On commence par cette question à un point. Quel ancien palais royal situé sur la rive droite de la Seine constitue aujourd'hui le plus important musée, Kéra ? Le Louvre. De Paris, le Louvre est la bonne réponse. Un premier point pour Kéra, pour deux points maintenant. En sport, comment appelle-t-on un joueur de pelote basque ? Pascal ? Un pelotari ? Exactement, exactement. Voilà. Première question à trois points. Quelle maladie infantile, contagieuse, caractérisée par de violentes quintes de toux, est due, Isabelle ? La coqueluche. Jolie, la coqueluche. Trois points. Due au bacille de Bordet, Jean Gou, la coqueluche. Trois points pour Isabelle. Tous les quatre, à la maison aussi, écoutez ceci. Sous le pont Mirabeau, coule la Seine. Et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent. La joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit. Tout le monde a reconnu la très belle voix du très beau Marc Lavoine qui en 2001 a mis en musique le poème Le Pont Mirabeau. Voici la question. À quel écrivain, Isabelle ? Apollinaire. Avait anticipé, me donne la bonne réponse. Guillaume Apollinaire. À quel écrivain doit-on ce texte paru en 1912 ? Guillaume Apollinaire. Bien joué Isabelle qui est en tête. Quel nom a-t-on donné au camp que François Ier fit dresser ? Pascal. Le camp du drap d'or. Le camp du drap d'or, joli. Pascal qui nous rappelle qu'il n'est pas champion pour rien, ce camp que François Ier fit dresser en Flandre pour y recevoir Henri VIII d'Angleterre, c'était en juin 1520, c'était le camp du drap d'or, oui. Et voici une question à trois points qui revient maintenant. Quelle île du Morbihan est située entre Belle-Île et la presqu'île de Ruys ? Encore Pascal. L'île de Groix ? Non, ce n'est pas l'île de Groix. Kéra ? L'île Dieu ? Non plus. Bernard, Isabelle, Morbihan, une île entre Belle-Île, la presqu'île de Ruys. Une île un peu sauvage, où contrairement à Belle-Île, il y a très peu de construction, c'est très sympa. Ozon. C'est Watt. À Watt. L'île de Watt, H-O-U-A-T, on prononce le T. Watt, oui. Quel symbole ? Quel symbole constitué de signes graphiques représente une marque ou un organisme ? Symbole, Kéra ? Un logo. Un logo, voilà, c'est ça, un logo. Bernard, vous allez me débloquer ce compteur, je compte sur vous. En 2010, quel scientifique et explorateur français a réussi la première traversée en solitaire du pôle Nord en ballon ? Pascal ? Picard ? Ah non. Mais c'est pas bête comme réponse, parce que ballon, Picard, effectivement. Mais français ? Picard, il est suisse, hein, vous pensiez à Bertrand Picard, c'est ça, hein ? C'est bien Bertrand, hein, je ne me trompe pas, parce que des Picards célèbres, il y en a eu quelques-uns. Mais non, c'était Jean-Louis Étienne. Oui, ah oui, c'était Jean-Louis Étienne qui a réussi la première traversée en solitaire du pôle Nord en ballon. Grand explorateur, et puis avec un magnifique nom de famille. Oui, forcément. Jean-Louis Étienne. Quelle sauce ? Ah, c'est pour les gourmands, et il y a quelqu'un qui a un petit avantage ici, en la matière. Quelle sauce à base de champignons et de quenelle de volaille ? Isabelle ? À la Nantua. Utilisé dans la garniture du vol au... Kéra. Forestière. Du vol au vent accommode les... Bernard. Gribiche. Accommode les riz de veau. Pascal. Financière. La sauce financière est la bonne réponse. Et c'est Pascal, le cuisinier, qui a pris son temps. Sauce financière, oui. D'ailleurs, Pascal, vous n'êtes plus qu'à deux points d'un nouveau 4 à la suite, justement. Quelle série télévisée, Isabelle, Bernard, Kéra, Pascal, mettent en scène Hugh Laurie dans le rôle... Isabelle. Dr House. C'est facile, celle-là. Dr House. Dans le rôle, vous êtes ce médecin si sympathique. Je l'adore. C'est vrai ? Ah oui. Avec son petit caractère. Cynique, ouais, haute à souhait. Voilà, chargé avec son équipe. Et il est très fort. Hein, d'éclaircir les mystères médicaux. Puis, bon, il a ce ton très à lui, bien particulier. Et bah, ça, c'est un point de plus pour Isabelle. Et donc, deux points maintenant. Quel est ce petit canapé apparu au milieu du 19e siècle ? Pascal a buzzé le plus vite. Un sofa. Formé de trois sièges disposés, Isabelle. Une causeuse. En hélice. Bernard. Un triptyque. Ah non. Trois sièges disposés en hélice, ça nous donne un canapé qui s'appelle l'indiscret. C'est un joli nom, ça. L'indiscret. Et maintenant, tous les quatre, chez vous aussi, regardez. Tranquillement. Et dites-moi. Dites-moi, quel nom donne-t-on à cet ensemble instrumental indonésien comprenant toutes sortes de percussions mélodiques comme des gongs suspendus, des xylophones ? Non ?
Ça vous dit rien? Pas de spécialiste de musique indonésienne sur ce plateau? Écoutez et je vous explique après. Cet ensemble instrumental, c'est le gamelan, le gamelan. Et pour ceux qui ont voyagé en Indonésie, là, on voyage complètement parce que c'est effectivement le genre de musique qu'on entend beaucoup et dans maints endroits en Indonésie. Le gamelan, gamelan, oui. Quelle petite prune, pas n'importe laquelle, dorée, Kera. La Mirabelle. Jolie, un point. Produite essentiellement en Alsace et en Lorraine, utilisée notamment pour la confection d'une eau de vie. Trois bonnes réponses déjà de Kera, mais bon, à un point à chaque fois. Donc ça fait que 3 points pour l'instant. Mirabelle, quel patineur français, champion du monde en 1900, Isabelle? Candeloro. 65. Ah, raté. A occupé le poste de ministre de la jeunesse, Pascal. Alain Calma. Calma, joli. Pascal, vous êtes qualifié pour le 4 à la suite. Qualification de notre champion pour le 4 à la suite. Pascal qui va donc disputer un deuxième 4 à la suite après celui d'hier, celui à l'issue de laquelle il a été champion. Alors, Calma, Calma, c'était de 84 à 86, donc un petit peu avant. Oui, largement avant. Monsieur Candeloro, alias D'Artagnan, alias... On se rappelle de tous ses costumes. Bravo Pascal. À tout de suite. Deux places encore à prendre. Bernard, je compte toujours sur vous. Oui, je suis là. Est-ce qu'on peut encourager un petit peu Bernard? Allez. Au théâtre maintenant, quel nom désigne le bâton qui sert à frapper, Bernard? Le gendarme. Isabelle? Le brigadier. Pas loin, c'est le brigadier. Ah. Il y avait de l'idée. Ah. Avec Didier. Dommage. Il y avait de l'idée là quand même. Ouais. Et le gendarme. C'est le brigadier. 2 points pour Isabelle, qui n'est plus qu'à une seule bonne réponse d'ailleurs. Du 4 à la suite. On voyage un peu. Quelle région montagneuse d'Algérie en bordure de la Méditerranée? Tiens, Isabelle. Le Rif. Son nom de l'arabe signifiant. Kera. L'Atlas. Pays des tribus, région montagneuse d'Algérie. La Kabylie. Ah 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 ! Ça y est, c'est parti. 2 points. Kabylie, Bernard, c'est parti. Chez les protestants, comment appelle-t-on la personne qui anime le culte, Isabelle? Un pasteur. Un pasteur, Isabelle, vous êtes qualifiée. Merci. Pour le 4 à la suite. La personne chez les protestants qui anime le culte et qui prêche les Écritures, c'est le pasteur ministre du Saint-Évangile. C'est également une bonne réponse. Ah, Isabelle, vous embrassez les... C'est bien, les qualifiés? Ben, écoutez, c'est convivial comme jeu. Donc, qui aura le droit à sa bise maintenant? Kera ou Bernard? Ah, eh ben, on joue là. Pour 3 points, chaque bonne réponse. Donc, les scores sont très serrés. Vous pouvez tous les deux vous qualifier et avoir le droit à la bise d'Isabelle. Attention, il y a un prix supplémentaire ce soir. Kera, Bernard. Quel biscuit sec, souvent fabriqué de manière industrielle et formé de 2 rectangles de pâte alvéolée, souvent collés par de la confiture. Kera. Des gaufrettes. Mais oui, c'est ça, gaufrettes. Sans certitude, Kera. Hein. Vous n'aviez pas l'air sûr de vous. Non. Chez l'homme, comment appelle-t-on la... Kera, ça... Dites-moi n'importe quoi. L'humérus. On sait jamais. On sait jamais. Donc là, vous avez compris, Kera a ripé sur le buzzer. Et... Comment appelle-t-on la paroi supérieure de la cavité buccale séparant celle-ci des fosses nasales? Le palais. Le palais, 3 points pour Bernard. Ou voûte palatine. Palais, voûte palatine. Bernard, Kera. En peinture, par quel mot composé désigne-t-on l'effet de contraste produit par les... Bernard. Le clair-obscur. Hop, 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 regardez ce qui se passe. 3 points de plus pour Bernard. Et voici nos deux candidats. À une seule bonne réponse, du bisou d'Isabelle. Une seule bonne réponse. Peut-être, tout se joue peut-être ici. Donc le clair-obscur, c'était la bonne réponse, oui. Bernard, Kera, dans la mythologie grecque, quel dieu des enfers dispose d'un casque offert par les... Bernard? Hadès. Bernard? Oui, c'est ça. Le bisou. Bernard, c'est compliqué pour nous d'être à la suite. Allez, tu diras bonjour à la Lorraine. Oui. Le bisou, le bisou, le bisou. Bienvenue. C'est pas Kera, victime du réveil de Bernard. Hein, c'est vrai, Bernard, au début, vous étiez un petit peu
Kira, c'était bien parti pour son... Oui, bon, je reviendrai. Je voulais juste en profiter pour faire un coucou à mes parents qui regardent Question pour un champion. Comment s'appelle-t-il? Arkia et Smaïl. Bah, on les embrasse tous les deux. Et je voulais qu'on parle de football aussi. Parce que, oui. D'abord, vous aimez le foot. Oui. Mais vous suivez un club en particulier. Oui, je suis supportrice du Real Madrid. Du Real Madrid, voilà. Le Real de Zidane, bien sûr, entraîné par Zidane. Et le Real qui va affronter le PSG en 8e de finale de la Ligue des Champions. Donc pas besoin de vous demander qui vous allez soutenir voilà. Ce soir-là. On souhaite le meilleur aux deux équipes. Kira, un grand merci. Merci à vous. Merci à toute l'équipe. Ezet vous offre une tablette ainsi qu'une solution antivirus. Profitez d'Internet en toute sécurité et protégez vos données grâce à Ezet. Envie de douceur et d'authenticité? Avec des fleurs, des fruits et autres huiles essentielles, préparez vous-même vos produits de beauté sains et sans danger et boostez votre forme grâce à des jus santé maison. À vous de jouer maintenant à la maison. Alors non pas pour gagner un bisou d'Isabelle, ce serait compliqué, mais c'est pas mal non plus, soit une voiture, soit 10 000 euros. Donc vous jouez avec cette question, je vous rappelle, à quelle lettre de l'alphabet compare-t-on quelqu'un qui se tient très droit? Quelle lettre? 1, le I, 2, le Z. Bonne réponse, 3243 pour le téléphone par SMS 1 ou 12, 7, 10, 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Et maintenant on joue avec Isabelle et Bernard et Pascal, au 4 à la suite.